Bonjour YouTube, bienvenue dans cet épisode 4, je crois, de Satisfactory. Nous allons construire un convoyeur pôle. Je dirais... là. Waouh, les objets volent de toutes parts. Et ensuite je dirais... ouais, là. Et éventuellement, peut-être, si on peut en faire un troisième... peut-être un troisième au maximum. Non, ça sert à rien. Ça sert à rien. En fait, si, parce que je l'ai peut-être fait un peu loin. Donc, on va en faire un là. Et on va se faire attaquer aussi, également. Hein. Où est-il? J'ai vraiment pas beaucoup de vie, en fait. Alors, est-ce que j'ai des trucs à manger? Pas du tout. Il est pas content. Ça se mange, ça? Pas vraiment. Je me fais tabasser. Espace 10 disponible, 3 gigas. Alors peut-être que je regarde ça. Où est-ce qu'il enregistre? On va remettre ici. 500. Ah non, alors faut vraiment que je fasse l'automatisation. Je peux les récupérer? Ah, je peux pas les récupérer. Je les ai donnés. Je les ai donnés pour toujours. Bah on va mourir, hein, parce que je vois pas d'endroit où manger. Je vois rien à manger. À moins que j'ai des trucs là que j'ai pas compris. Non, je crois que... attendez, est-ce que j'ai fait de la merde? Non, c'est bon. Est-ce que peut-être... non, bon. Oui, je parle tout seul, là. Non. Oh, monte. Ok, donc on commence là. Et l'idée est d'aller là-bas. Convoyeur belt tout longue. Donc peut-être qu'on peut en faire une qui descend là. Et ensuite partir de là et descendre là. Ça marche. Excellent. Ensuite de là à là. Ensuite de là à là. Finalement, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Je ne sais pas. On va peut-être faire ça. Et dire. Et ça aussi d'ailleurs. Mais attendez, vous allez tomber dans le vide là. Et dire de là à là-bas. Kentaford. Ah mince. Il m'en manque pas beaucoup en plus. Hein. Il me faut des iron plates. Alors, est-ce que j'ai des iron plates quelque part? Plus. Là, j'en ai. T'es cool. Ici, non, pas dans ce sens, ça n'a aucun intérêt. Non, voilà. Et de ici... ici... et de ici... ah, j'ai pas de concrete. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est des petits crabes? Je vais les tuer! Eh ben... eh ben en fait on va mettre un smelter directement, ici, là-bas. Je vois pas pourquoi je me fais chier à... il me faut des wires. Les wires, excellent. Mais c'est cool, tu peux les attraper d'ici en fait. Hop.
ma base va être dégueulasse. Vous êtes prévenus. On va faire des wires à la main. Copper ingot. Wire. On fait un peu plus, je pense. Faudra, je sais pas. Hop. Hop. C'est bon. Hop. Après là je suis en plein milieu du pylône, c'est pas ouf. Donc je pense qu'on va le casser. Et le remettre là. Genre je vais faire ça. Incroyable. Et refaire des conveyor belt. Qui à partir de là. Et venir ici. Et ça, venir là-dedans. Hop. Et la power line va partir de là. Aller ici. Et ça, faut qu'on le dismantle. Hop. Il y en a un autre là-bas ou c'est bon, ça s'est nettoyé. Incroyable. Donc là, c'est le moment où ici, tu dois lui dire copper ingot. Et je peux même lui donner le copper que j'ai, moi, je ne sais pas où. Bah, je l'ai pas. Je sais pas où il est. Là-bas, ça tourne plus, hein. Il n'y a plus de courant, en fait, j'ai l'impression. Et on doit faire une factory avec des reinforced plates. T'es cool. Vous êtes pas très bavard sur le chat depuis 10 minutes. Reinforced plate, faut faire des screws. Hop. Hop. On va faire un constructeur. C'était pas là que je voulais mettre. En fait, est-ce que je ne peux pas, s'il vous plaît, dans les options vidéo, augmenter le FOV beaucoup plus? Parce que j'ai l'impression de ne rien voir. Alors, c'est vrai que c'est tout de suite un peu différent. Hein. Là, je réussis à le mettre plus ou moins en face, oui. 5. Ok. Une power line entre ça et. Bah, pas ça du coup, mais plutôt ça. Non, pas une power line, pardon. Si, une power line. Voilà. Par contre, je pense que il n'y a pas assez de courant. Hein. Ou j'ai oublié de connecter un truc, je sais pas. Ça tourne ça? Non, ça a pété. Je produis pas assez. On va éteindre les mineurs qui sont ici. Parce qu'ils ont déjà bien bossé. Et là, on en a pas besoin tout de suite. Là, on a besoin d'une grosse production d'iron. Tu m'as déjà dit, t'es cool. Assez déçu, hein, par son comportement. Donc ça marche pas même en les éteignant. Est-ce qu'il va falloir que je coupe les lignes? Genre comme ça?
Ah non, là j'ai coupé toute la ligne. Mauvaise idée. Je vais couper juste au mineur. Donc celle-ci. Est-ce que là ça va mieux marcher? Non, ça marche toujours pas. Que faire? Que faire? Je peux pas les éteindre ces machines? Si. Hop, stand-by. Hop, stand-by. Est-ce que du coup elles consomment quand même quand elles sont off? Ce serait bizarre de consommer quand on est off. Non? Ça y est, enfin. Et du coup, celui-là ne fait rien en fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas assez de pouvoir. De power. Ouais. Ah, il a pas assez de feuilles. Nul. Je vais en mettre un peu plus. On va avoir besoin d'une upgrade au niveau électrique assez rapide hein, parce que. J'entends grogner. C'est pas là, c'est ça que je cherche. Hop. On va mettre un peu dans l'autre. Et ben voilà, là ça produit beaucoup plus, c'est logique. Donc, pas forcément obligé ça, mais par contre ça là, oui. Celle-là, si je pouvais la rallumer, et même lui filer moi mon iron, hein, je peux pas. Dommage. Et celle-là aussi la rallumer. Ça c'est pas parce que ça mine plus que... Du coup, je pense que effectivement, je peux remettre la power line ici, et remettre celle-là. Ah, celle-ci. Et là, il faut que je récupère ce truc-là et que je dise fais des wires. Incroyable. On n'a plus qu'à attendre qu'il fasse les 2000 wires qu'on nous demande. Et c'est bon. Juste faire un storage. Pas ça, storage, storage, j'étais en train de regarder le raccourci pour faire la recherche. Alors il me faut des plates et des rods, j'en ai au taquet ici, pas encore là, ça produit plus là, pourquoi ça produit plus, pourquoi c'est coincé? Pourquoi c'est en stand-by? C'est moi qui l'ai mis en stand-by? Possible. Ah mais j'avais pas vu qu'il y avait la milestone en haut à droite, c'est trop bien. Je prends tout. Combien il me fallait là pour faire un storage? D'ici mon.
2, 3. Hop, le storage. Hop, je le mets dans ce sens. Même si ça fait un truc chelou au niveau du conveyor belt, parce que comme ça, si jamais on veut automatiser, c'est plus logique de partir dans ce sens-là. Tu me verras, c'est pas plus logique en fait. De toute façon, il me faut des iron plates. C'est marrant le petit rappel là qui me dit vous avez joué depuis 2 heures. Ça, il serait temps d'arrêter. Eh ben non, j'arrêterai pas. Jamais. J'aurai toute ma vie. Non, en vrai, je pense qu'on va s'arrêter d'ici 15-20 minutes, une demi-heure. Enfin, en vrai, j'ai envie d'atteindre l'autre upgrade et m'arrêter. Alors, il me faut des iron plates pour ça. Allez, encore plus de courant. Non. Je prends mon conveyor belt et je vais régler le courant. Je pense qu'il y avait juste pas assez de leaves. Voilà. Alors, hop, on met 33 ici. On met 33 ici. Ça continue d'avancer ici. Il y en a combien en stock lui encore? Parce qu'il en fait pas. Mais ça continue d'avancer. Hein. Là aussi. Là aussi. Hein. Là, on commence à avoir pas mal de câbles. Alors au niveau des iron plates, on va aller les donner. Comme ça, ce sera fait. Oh putain, j'avais beaucoup moins que ce que je pensais. Les rods aussi. On va attendre qu'ils finissent. Hein. Hop, rod. Ah mais non, j'avais plein là. Hop. 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 J'avais plein des rods. Alors, sur le smelter, du coup, moi, je peux plus lui mettre... que j'avais là. Je vais commencer à pouvoir le mettre. Ça continue d'être... Ça avance là? Oui, c'est juste que c'est trop long. J'arriverai pas à passer. J'aurais dû me faire un passage entre ces deux. Hop, là on va lui faire store roll parce que... Mais non, pas store roll dans ce sens. Je pensais que c'était store roll... les plates. Parce que là j'ai des barres par exemple, je peux les store roll. Donc du coup il nous manque quelques plates. T'es cool. Ça ne suffira pas. C'est pas grave. On va prendre toutes les plates ici. T'es cool. Ah, ça avance bien le copper. Hein. Ah ça y est, ça commence à être vide. Donc je vais pouvoir lui donner mes iron. Hop, celui aussi. Que je me traîne dans l'inventaire depuis tout à l'heure. C'est pas ça, c'est ça. Voilà. Il nous manque des plates, mais là je les ai pas. Elles sont là-bas. J'arrive pas à passer.
C'est pas celui-là. Si, c'était celui-là. Là, je vais faire des allers-retours dans tous les sens jusqu'à finir l'objectif. Hein, t'as ça. Alors, je n'en ai plus. Du tout, qu'est-ce que j'ai fait? C'est bon. Il va falloir que j'aille ramasser des feuilles encore. Combien j'en ai là sur moi? 46. C'est suffisant. Il manque plus que le copper. Qui avance tout doucement. Mais sûrement. Bon bah mission ramasser des feuilles. Hein. Faire de la biomasse. Mais il y a un terrier là, ils sont trois. Non, c'est le même. Il est en train de venir pour me buter. Et il comprend pas où je suis. Ah, il y a des palberries, je vais pouvoir manger. Allez. Il est mort. Je récupère le copper au passage qui avait déjà été fait. Enfin, les lumières, les réchauds. C'est là-bas. Ah oui, mais s'il y en a plus, effectivement, ça peut pas alimenter pour en faire. Ah, je me trompe. On met toutes les feuilles ici. Voilà. On balance du copper. C'est bientôt fini. Hein. Bientôt fini le jeu. Hop. Ah
Hop. Les belles bobines de cuivre. Et là, on va pouvoir lui mettre un peu d'iron. Il n'y en a plus. Ça y est, on est sur la fin de la chaîne de production là-bas. Là, ça continue. Combien il m'en manque? 70? Ça va être une super fin d'épisode pour YouTube. Parce qu'on va passer l'upgrade et s'arrêter. Hop. Hop. Incroyable. Congratulations. You have unlocked Pup Feature Molecular Analysis Machine, also known as the MAM. Building Biomass Burner. Building Space Elevator. Equipment Object Scanner. Equipment Beacon. Additional Hand Equipment Slot. Motivational Message. Congratulations, you succeeded in every provided task. On behalf of Fixit Incorporated, I thank you for your current and future service. Additional knowledge. The hub terminal has been converted to give access to milestones there to ensure you progress along Fixit approved protocols. Mm-hmm. Additionally, the MAM provides the opportunity to send samples of xenobiology and other materials I deem relevant to R&D in exchange for appropriate rewards. Okay. Note, future developments should be aimed at constructing the space elevator and thus initiating project assembly. Good okay. luck. Mais du coup, c'est pas les mêmes tiers. Ah non, j'étais en tiers 0 avant. Ok, tiers 1. C'est juste qu'on le voit pas parce qu'il est quasiment invisible. Ah, effectivement, il doit faire. Conveyor merger, conveyor splitter, c'est cool ça. Ah ouais, ça va être top. Oh là là, trop bien. Combien ça coûte de faire le. Le biomass burner. J'arrive pas à voir. Des iron rods, il me manque. C'est tout? Bah, on va en faire un. Avant de terminer l'épisode. Je vais prendre ça. Je vais prendre ça. Putain, il y en a plein. Il en fait beaucoup. Il en fait beaucoup. Là, je vais prendre ça. J'ai 10 fois trop comme ça. On peut construire des trucs sur le hub, genre là. Est-ce que je peux construire un biomass burner ici? Pas du tout. Calme-toi. Ok, il faudrait plus de feuilles pour démarrer celui-là. Donc je vais enfin aller voir ce qu'il y a là-bas. En haut là, je vois un truc à chaque fois. Je pense qu'il va y avoir des méchants aussi. C'est marrant de les appeler les méchants alors que c'est moi qui suis en train de niquer leur planète. Mais... Ouais, je me sens pas très bien effectivement. C'est une zone... qui pue du cul. D'accord. Ces trucs-là radient des trucs qui puent du cul.
C'est chelou. Ça permet de... Ok, des billes. This consumable possesses minor healing properties. Oui, je me doute, hein. Further analysis required to establish object scanner identification. Faut que je fasse un truc avec le bois aussi. Parce que les deux font de la biomasse, donc au final... Où est la base? Là-bas. Putain, c'est magnifique là-bas. Allez. Comment on fait une factory déjà? Un constructeur, pardon. Il me faut des reinforcing hand plates. On va faire ça. Hop. Screws. Un peu plus. Parce que j'en avais déjà une en fait. Hop. Constructeur. Je vais me mettre à côté. Côte. Et dans celui-là, je vais faire de la biomasse avec du bois. Donc il faut que je trouve le bois que j'ai ramassé tout à l'heure. Pas ça. C'est ça. Bois. Et il faut peut-être que je le relie au courant. Bien vu. Bien vu, ça. Il va nous manquer effectivement de... des points de courant. Là. On va en mettre un là. Pas de concrete. Bon. On va faire un power line. Attends, on va faire ça. C'est zéro efficacité. Zéro efficacité, attendez, c'est nul. Ce qu'il faut, c'est que ça, ça aille là, et que ça, ça aille là. Voilà l'efficacité, comment elle est. Et que ça, du coup, no power. Ah merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, il n'y a plus de... Déjà? Calme-toi, calme-toi, calme-toi. 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 Hop. Attends, mais là. 42. Attends, mais. 41. Attends, tu fais on. Voilà. Donc là, ça continue de produire. Peut-être pas, parce qu'il n'y en a peut-être pas. Là, ça en produit un peu. Et là, on va en rajouter. Bah non, il n'y a pas de feuilles. Ah mais si, j'en ai ramassé plein, je suis stupide. Hop, ça produit vachement plus le bois. Je viens de voir ça. Speed stack. Ah mais c'était des minutes en fait tout à l'heure. Bah là on va en mettre 64. Et là on va en mettre 33. Et là on va en mettre 33. En fait j'ai beaucoup trop d'énergie maintenant. Et là... On va le rallumer ça. Parce qu'on peut se le permettre. Trop de bordel.
Hop. Il a complété l'analyse. Hop. D'accord. Additional samples are required for R&D to continue developing a defense-oriented blueprint. The creature has been named Phacocoirus plumiuscata or fluffy-tailed hog. Ok. Je vais lui filer le Green Prover Slug. On saura ce que c'est. Et encore une... Ah mais non, je peux pas faire en même temps. Eh bien écoutez, c'est l'heure de dire au revoir à YouTube. Merci YouTube d'avoir regardé. À bientôt. Des bisous.